On va essayer de rester calme. Je ne vous le promets pas. On va quand même essayer de rester calme, les amis, parce que ça reste un débrief. Mais ce soir, les amis, qu'est-ce qu'on vient de voir? Putain. Cette victoire, je pense que c'est pas juste sur le côté sportif pour les joueurs, pour le côté des 3 points que tu prends face à un gros en Ligue des Champions, face à l'Armada, je veux dire, du Bayern Munich. Ce soir, en fait, je pense que cette victoire-là, ça signifie quand même beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que nous, les fans du Barça, on mérite ce qui vient de se passer ce soir. Toutes ces années de galère-là, dans lesquelles on s'est fait humilier partout en Europe, à chaque fois que tu savais que tu allais affronter un gros en Europe, tu savais tout de suite comment ça allait se terminer. Ce soir, le Barça a enfin remercié ses supporters aussi de tout ce soutien-là, parce que nous, ce soir, nous, en fait, nous, ça fait longtemps qu'on attend cette soirée-là. Ce qu'on vient de voir ce soir, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps qu'on attend ce soir. On se demandait si ça allait arriver un jour, mais ça finit par arriver. Ça finit par arriver, ça récompense aussi notre patience. Certes, ce club, il nous a fait souffrir pendant de longues années. Je vous l'ai dit lors des périodes les plus sombres du club, que faut pas baisser les bras, les amis. Bien sûr que c'est un amour toxique parfois, ça te pourrit parfois tes journées, ça te met dans un mood pas possible. Mais c'est pour ce genre de soirée qu'on aime ce club, qu'on a décidé de souffrir pour ce club. Parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, ils vont nous le redonner. Et de quelle manière ? Avec des gamins par-ci, des gamins de 17 piges par-là, face à une armada, d'autant plus... D'ailleurs, je veux juste parler vite fait de ça. Le Bayern, vous savez, lorsque ce match a débuté les 20 premières minutes, je pense que le Barça a limite un peu trop respecté le Bayern. Je pense que le Barça s'est dit que le Bayern va venir nous chercher nous aussi très haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer les ballons pour essayer de surprendre ce qui s'est passé d'ailleurs sur l'ouverture du score. Sauf que le Bayern, en fait, ils ont capté que, en fait, en dehors de ça, on n'a pas... On n'ose pas les regarder droit dans les yeux, les 20 premières minutes. Franchement, je me disais que le Barça pouvait encaisser à tout moment, d'autant plus que la ligne du hors-jeu, elle était extrêmement haute. Et le Bayern avait décidé ce soir de jouer sur le hors-jeu à 1000%. C'est-à-dire qu'ils s'en foutaient d'être hors-jeu 40 fois. La 41e fois, ça va passer. Et c'est ce qui s'est passé sur la égalisation. D'ailleurs, je trouve que le Bayern, ils ont été limite un peu condescendants dans leur célébration, en fait. Limite... Ouais, on a égalisé, petite tapote par là, allez, on se congratule, on avance et on passe à autre chose, c'est rien de nouveau, en fait. Pour eux, j'ai senti du dédain, en fait, dans leur célébration, même dans leur manière de jouer. Ils étaient persuadés que pour eux, ça allait être une soirée tranquille, en fait. Les gars, vous auriez dû célébrer votre but parce que c'est le seul but que vous avez eu à célébrer ce soir. Donc le Barça a, je pense, senti cela, qu'on ne pouvait pas continuer à tout le temps balancer les ballons, d'autant plus que, s'il vous plaît, tu as des joueurs de ballon dans cette équipe du Barça. Tu as des joueurs de ballon, et pas qu'un peu. Casado, Pedri, Lamine Yamal, on va en parler tout à l'heure, mais what the f... Wow ! Il y a une séquence entre Jules Koundé, Lamine Yamal, Pedri, je pense que... Oh là 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 là. Pardon, je perds ma lucidité parce que c'est pour ce type d'action que moi j'ai décidé de suivre ce club. De base, c'est pour ce type d'action-là que j'ai décidé d'aimer ce club.
Les combinaisons à une touche, le jeu vers l'avant, cette volonté de vouloir marquer, faire mal à l'adversaire, de ne pas avoir peur en fait, parce que on va revenir dessus demain beaucoup plus en détail par rapport aux enseignements, mais le Barça a arrêté d'avoir peur, la réalité. Et ça s'explique par différents facteurs, mais on reviendra dessus demain dans la vidéo par rapport aux enseignements. Ce soir, je vais juste me concentrer sur le match d'aujourd'hui. Et donc voilà, le Barça a compris que c'est possible de jouer, de regarder droit dans les yeux ce Bayern Munich-là, malgré son armada offensive, parce qu'il faut le dire, hein, le Bayern était parti pour faire un gros match. Et vous savez ce qui me fait plaisir au-delà de la victoire ce soir, c'est le message que tu envoies. Pas que tu es de retour, ça y est, tu vas gagner la Ligue des Champions, mais que, en fait, tu peux compétir contre absolument n'importe qui. Cette équipe du Barça-là est capable de compétir face... Parce que ce soir, c'est pas comme si tu affrontais un Bayern amoindri. Certes, il n'y avait pas Moussiala qui avait débuté et tout, il n'était pas à 100%, mais le Barça non plus n'avait pas Olmo. Donc, tu vois, je veux dire, ce Barça, ce qui me fait plaisir dans la victoire de ce soir, c'est que, vous savez, contrairement au Bayern, lorsque le Bayern marchait sur le Barça depuis 2016, depuis les humiliations, là, le 8-2 que ça s'enchaîne derrière, lorsque tu fais le parallèle, tu vois que le Barça était en crise, soit institutionnelle, soit sportive. Il y avait toujours quelque chose. Il y avait des blessés par-ci, par-là. Mais ça, ceux qui regarderont les résultats 5 ans après, ils s'en foutent de savoir s'il y avait des absents. Ce qui les intéresse, c'est le contenu, à l'instant T, ce qui se passe maintenant. Et ce qui s'est passé durant ces dernières années, personne ne te dira que le Barça était en crise. Ils te diront juste que le Bayern, c'est la bête noire, et c'est effectivement le cas, que le Barça, c'est toujours faible face au Bayern, sauf que faut quand même regarder le contexte des équipes. À chaque fois que le Barça a été au niveau pour jouer face au Bayern Munich, le Barça a battu le Bayern Munich. En 2015, c'était le cas. En 2009, c'était le cas. Et ce soir, je vous le jure, les amis, pour la première fois depuis 2015, j'étais pas en mode... Ouais, je suis stressé depuis le matin, je pense à ce match. Je vous dis pas que j'étais sûr que le Barça allait gagner. Mais j'avais pas cette boule au ventre là. Même face au PSG, je l'avais cette boule au ventre parce que, voilà, je sentais pas encore le Barça, vous savez, à 100% prêt, capable de maintenir un résultat comme ça. Je savais pas, il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être serein. Mais ce soir, aujourd'hui, j'ai passé ma journée tranquillement. Je me suis dit... Tranquille, 2 heures avant le coup d'envoi. Voilà, là, j'ai commencé à un peu rentrer dans mon match et rentrer dans la pression aussi, mais j'avais une certaine confiance. Je sais pas, elle me venait d'où, du fait que le Barça jouait aussi bien depuis le début de la saison, ou du fait que je me disais qu'au bout d'un an, que ça allait changer, en fait. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est que lorsque tu regardes l'effectif du Barça, tu regardes la jeunesse qu'il y a dans cette équipe-là, tu te dis qu'il y a quelque chose que tu peux mettre en place pour minimum 10 années. Les amis, dans 10 ans, Lamine Yamal aura 27 piges. Il n'aura même pas encore, il ne sera même pas encore entré dans la trentaine. Dans 10 ans, Koubarsi n'aura que 27 ans. Il ne sera pas encore dans la trentaine. Je ne sais pas, posez-vous, réfléchissez un peu à ça, ce que je viens de dire là. Posez-vous, juste imaginez, réfléchissez un peu. C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Des gamins comme ça qui sont en train de tuer des joueurs expérimentés au plus haut niveau. Harry Kane, on l'a vu que vert, après le but qu'il marque, ça y est, il a disparu. Disparu de la circulation. Koubarsi l'a suivi, je pense que là, il l'a suivi même dans les vestiaires. 17 piges. 17 piges, il te sort un match pareil. Au plus haut niveau, après avoir mis Osimhen dans sa poche. Lamine Yamal qui vient de cuisiner l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur latéral gauche au monde. Moi, je regarde, je connais Alphonso Davies avec la sélection canadienne. Vous savez, je vous dis, hein, c'est très rare, très très rare de voir en 1v1 Alphonso Davies autant dans la difficulté. Tu peux le prendre de vitesse, dans son dos parce qu'il est mal positionné et tout. Les mêmes défauts que Balde, la vérité. Tu peux le prendre sur un manque de concentration, mais dans le 1v1 pur, athlétiquement, dans les dribbles et tout, c'est très difficile de le jouer. Et Lamine Yamal en a fait sa chose, pour rester poli, pendant 90 minutes. Posez-vous un peu, s'il vous plaît. Réfléchissez à ce que je viens de dire là. On parle de mineurs. On parle de mineurs. Les Casado, les Pedri. Ah, ça y est, hein, Pedri, il est rentré dans une nouvelle dimension ce soir. Je l'ai dit tout à l'heure sur Twitter. C'est terminé, ça. Ouais, on attend le match référence de Pedri. Tant qu'il n'y a pas de victoire, la vérité, les gens, ils s'en foutent un peu de savoir si tel joueur a été bon ou pas, parce que Pedri, il avait déjà sorti une masterclass à l'Allianz Arena, pour ceux qui s'en rappellent. Mais ce soir, c'est à des années-lumière ce qu'il avait fait ce soir-là. Et la victoire en prime derrière. Chapeau l'artiste.
Casado qui vient aussi de rentrer dans une nouvelle dimension. Mais je vous ai dit, les amis, je vais revenir encore plus en détail demain par rapport aux enseignements. Mais Casado, ce qu'il fait ce soir, tu as quand même du Kimmich en face de toi. Le joueur dont on parle par rapport aux comparaisons et tout, Kimmich, Casado. Casado a éteint le milieu du Bayern. Il était partout. J'ai vu du Kimmich en Casado. Ah là, les comparaisons, c'était pas que pour vendre du papier. Casado, ça y est. Ça va être dur de le sortir de ce 11. Là, encore une fois, on reviendra dessus demain dans la vidéo des enseignements. Désolé, hein, ça va partir peut-être dans tous les sens cette vidéo, mais waouh, les émotions, putain. Les émotions. Rafinha. On rappelle quand même qu'il y a quelques mois en arrière, Rafinha, il y a beaucoup de fans du Barça qui voulaient le vendre, hein, en Arabie Saoudite, etc. Même moi, je l'assume, je l'avoue, mea culpa. Je disais qu'on avait besoin d'un Nico Williams, beaucoup plus qu'un Rafinha à gauche, parce que tu ne sais pas si c'est sa position préférentielle, mais à aucun moment de ma vie, je n'aurais pu imaginer Rafinha à ce niveau-là, à gauche. Partout d'ailleurs, même pas qu'à gauche. Parce que le Rafinha qu'on voit cette saison-là, qui aurait pu prévoir ça? Bien sûr, on voyait des bribes la saison dernière, en deuxième partie de saison. Mais ce qu'il fait là, depuis des semaines et des mois, qui aurait pu prévoir ça? Ce n'est plus le même joueur. Ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé là. Il est lui aussi, il a passé un step. C'est plus le Rafinha. Bon, vous savez, il y a une époque, Rafinha, lorsqu'il partait en face à face, même lorsqu'il avait beaucoup de mètres devant lui avec le gardien, je savais qu'il allait rater. Pourquoi? Parce qu'il allait mal s'emmener le ballon avec un contrôle raté, parce qu'il allait faire un mauvais geste, il va perdre son face-à-face. Ce soir, maintenant, aujourd'hui, Rafinha, lorsque tu le vois, même en ayant du retard, tu sais qu'il va prendre de vitesse son vis-à-vis. J'ai vu Kim Min-jae ou Upamecano dans son dos, ça faisait peur à voir dans l'accélération, contrôle ballon en l'air comme ça. Mais c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Lamine Yamal. Vous savez quoi, les amis? Encore une fois, j'ai pas envie de faire un débrief de 50 minutes. Parce que la vérité, j'aurais aimé le faire, ce débrief de 50 minutes, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais j'ai pas envie que cette vidéo sorte déjà trop tard, parce que j'ai eu des problèmes, encore une fois, techniques avec mon appareil aujourd'hui. Ça m'a donné beaucoup de retard, donc je vais m'arrêter là. Franchement, il y a beaucoup trop de choses à dire. Il y a beaucoup trop de choses à dire par rapport à ce match. Mais ce soir, le Barça envoie un message. Le Barça envoie un message. Le Classico, ça arrive. Pas besoin d'en dire davantage. Mais de toute façon, on se retrouve demain encore une fois pour en parler plus en détail. Mais waouh, merci. Merci, 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 merci tout simplement. Merci. Merci, merci. Que t'es fan du Barça ce soir, tu vas dormir en paix en fait. Tous les sacrifices que t'as eu à faire, toutes les soirées que t'as sacrifiées en regardant cette équipe se prendre des roustes, des volées, des humiliations, des déceptions ce soir... T'as juste qu'à remercier, en fait. Oui, je sais, c'est eux qui sont censés nous remercier de tous ce support-là, mais nous aussi, ça, ce soir, on peut que les remercier par rapport à ce qu'ils nous ont enfin donné. Mais bref, encore une fois, demain, on reviendra dessus de manière beaucoup plus calme, parce que beaucoup trop de choses qui s'enchaînent dans ma tête, là. Beaucoup trop de choses. J'arrive pas. J'arrive pas à me concentrer pour faire un débrief trop structuré. Bref, les amis, prenez tout soin de vous et visca Barça!